Salut mes petits loups, Twitcher, Twitcheuse. Bonsoir, nous sommes actuellement sur Tezo. Ok. Oula, ça commence. Oula, ça commence bien. Tezo. Ok. Oula, ça commence. Tezo sur PC. Ok. Alors, social, on commence tranquillement, calmement. Courrier. Wouah. Alors, alors, on regarde dans journal classement, quête. Voilà, c'est ici. Et nous sommes au bon endroit. Chouette. Voilà. Ensuite, hop. P est fort. Donc ça, on a déjà fait ça hier. Accomplissez deux quêtes. Fabriquez quatre objets avec la compétence de couturier. D'accord. Et puis, deux objets valables de qualité bleue ou supérieure. Pillez. Vainquer 40 ennemis. Tout est à 15. Donc, on peut. Voilà. On va continuer la quête. La quête. Bon. C'est aussi bien. D'accord. La remémorance nous attendait. Si Béragon ne les avait pas repérés, leur embuscade aurait été parfaite. Béragon a gagné ma confiance. Oh ouais. Ces elfes des bois m'ont eu par surprise. Mais il m'a sauvé la couenne. Occupez-vous de la graine. Nous repousserons les autres. D'accord, et ok. J'ai vu la graine dans une clairière, vers le haut de la colline. Elle avait l'air, je ne sais pas, prête à éclore. Allez la brûler, mais faites attention. Il y a d'autres membres de la remémorance dans les parages. Nous allons rester ici pour empêcher quiconque de passer. Il est actuellement 22h22. Oh ouais. Ah, 22h21. D'accord. Okidoki. À 2h21, on tape. Hop, c'est par là. Apparemment, c'est par là. Alors, soit c'est ici. Hop, c'est pas par là. Hop. Oh d'accord, mais il va falloir monter. Wow. D'accord. Oh ouais, c'est de l'autre côté alors. Yop. De l'autre côté. Ah oui, les animaux. Par là. Hop. On a bien notre game. Garçon, t'es là. Ok. Faut la remonter. Monter par là. Non. Ok, super. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Mais vous ne pouvez pas arrêter de la fusion de commande. Oui, c'est bon. Alors, par ici. Oh. On va voir en combien de temps on le fait. Graine de fulgurance sauvage. Ah non, mais elle est juste dessus. Ah. Voilà. Gourne de cibouille. Si
Si tu ne bouges pas, je t'écrabouille. D'accord. Et j'aimerais bien quand même voir à quoi ça ressemble. Elle est là, on ne bouge pas, on ne voit rien. On ne voit pas la graine. Parchemin d'XP dans 2 minutes. On va attendre 2 minutes. Ajouter comme ami, invité dans le groupe. On va voir si on peut l'inviter dans le groupe. Et juste après, on le... Allez, vas-y, bouge. Bouge. Non, mais bouge. Ah non, mais voilà. Bah voilà, exactement ce qu'on dit. On passe, on arrive, on ne peut pas. Ah bah voilà, c'est bon. 38 secondes. Allez, hop, brûlez. Vous avez brûlé la graine? Parfait. Oui. Une menace de moi à redouter. Il savait que nous arrivions. Soit la part de nature nous a tendu un piège, soit il y a un espion à la cour du roi Nontarian. Un espion? Si c'est le cas, le roi est en danger. Mon ami, parlons un instant. Je ne m'attendais pas à ce que la remémorance protège la graine. Et la tribune a raison. Il nous attendait. Si la remémorance a un espion à Vachabar, alors ils sont plus dangereux que je ne pensais. Comment expliquer qu'ils aient tendu cette embuscade, sinon? La pâle nature d'Arolite ne nous aurait jamais trahis. Donc ce doit être un proche du roi Nontarian. Ce qui signifie que quelqu'un menace directement Nontarian. Et le roi n'en a aucune idée. Nous devons le prévenir. Nous devons nous montrer prudents. Si nos soupçons sont fondés, quelqu'un voudra nous empêcher de parler au roi. Esperacine se trouve près des ruines de Nonnengalo, de l'autre côté de la fulgurance sauvage. Retrouvons-nous devant cette ville, et nous verrons de quoi il retourne. D'accord. On va faire un petit coucou déjà. Nous vous retrouverons à Esperacine, mon ami. Hello, coucou les ombres. Hello, coucou. Coucou sombre. Sombre coucou. Sombre coucou. Hop, attention. 3. Sombre coucou. Aucun parchemin XP d'actif. Bah voilà. Ok, on est bon. Maintenant, ça nous demande d'aller où? Journal, Kate. D'accord, on y va. Oh, 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 never, whenever. Grosse pierre. Yeah. Oh. Mais... yeah. Chevronnette. Yeah. Chevronnette. Voici Esperacine. Il y a un problème. Les sentinelles ont refusé de nous laisser entrer. Il se passe quelque chose de bizarre. Nontarian nous a dit de le rejoindre à Esperacine si nous apprenions quelque chose. Mais les sentinelles à la porte nous ont interdit d'entrer. La tribune Aléa et moi avons dû rebrousser chemin avant que les gardes n'en viennent aux mains.
ce serait difficile. Cet endroit tient davantage de la forteresse que de la ville. Heureusement, la tribune Aléa a imaginé un plan. Pas très sophistiqué, mais il devrait fonctionner. Eh bien, la tribune Aléa est discrètement retournée à la porte. Elle vous y attend. Elle éloignera les sentinelles et nous entrerons ventre à terre lorsqu'elles la poursuivront. Dites-vous, ce plan est un peu ridicule. On adore ce plan. J'adore ce plan. Quelqu'un ne veut pas que nous nous adressions au roi. Alors rendez-vous dans la salle du trône pour voir Nantari. J'imagine qu'elle se trouve dans les étages supérieurs de l'arbre. J'ai un arc à grappin. Je vais rester dans les branches hautes pour reconnaître la zone. Est-ce que ça vous convient ? Un jour, vous créerez quelque chose d'étonnant avec ça. Ah, mais encore des pierres. Et une grosse pierre bien embêtante. Laissez-la dégager la porte. Hé, hey, par ici. Je veux des réponses de Nantarion. Et je les veux tout de suite. Elle est revenue ? Attrapez-la ! Et voilà son plan. Entrons vite. Hé, hey, c'est carapaté. Ziouf, ziouf. Waouh. Déjà 10 minutes ? Waouh ! Ça fait déjà 10 minutes. 2h21, 2h32, 11 minutes maintenant, mais on était à 31. Ok. Bon. D'accord. C'est moi qui ai sauté. Ah bah dites donc. Ah bah si c'est moi qui ai sauté, c'était très beau. Pourrions trouver des plans de la remémorance. D'accord, bah faut passer par là. Feu. Yeah.
génial. On va passer par là. On ne voulait pas forcer de la porte, mais aucun signe de Béragon. Que prépare-t-il? D'une simple attaque contre le roi de Forestome. Cet endroit n'est pas une colonie, c'est une forteresse, et la remémorance y a stationné une armée entière. Nous devons comprendre ce que cela cache. Oui, oui, oui. Voilà, Béragon, je crois qu'il a trouvé quelque chose. Par ici. Ça doit être un poste de commandement de la remémorance. Aucun signe du roi, mais la carte et les notes pourraient avoir leur importance. Prenez-les, mon ami. On va y aller comme ça. D'accord. Ok. Et là. D'accord. Oh, le symbole. Un œil. Gardien Firwain. Nos alliés enfants de fragments ont identifié le fort de Feldaga comme la pierre angulaire des défenses de Skingard dans les collines coloviennes. La maréchale du fragment Vargas rassemble ses forces pour un assaut écrasant contre la vieille forteresse. Elle nous demande de mener une reconnaissance préalable pour évaluer les forces en présence. Une histoire des enfants du fragment à Feldagard serait plus qu'utile pour nos efforts. Choisissez quelques écrivains fiables et envoyez-les surveiller le fort. J'attends votre rapport. Et nous mangerons du roquefort ! J'essaierai de déchiffrer la carte plus tard. Continuez, mes amis. Nous ne pouvons pas laisser la remémorance prendre le roi en otage. C'est par là. On va me dire que c'est par là. Ils ont déjà dû le capturer. Je doute que les sentinelles de Nantarion aient pu repousser l'armée de la remémorance. D'accord. Ah. Vide. Hein. Non. Alors, y a-t-il des... Je suis à... D'accord. Bien, un journal. Quête. Attendez. Je vais voir si on peut passer par là. Je tiens à repréciser que la majorité des sorts d'Azandar. Oui, je suis là. Sont du heal. Enfin, les sorts, la majorité, c'est du heal. Et voilà. Il fait des disques de connaissances. Un tour. Voilà. Du heal et du heal. Pas de DPS. Voilà. Donc, on est bon. Ah, ou pas. D'accord. Si c'est pas là. Ah d'accord, c'est là. Hop.
Non, on ne peut pas prendre de monture. Pas de portail non plus. Cette fois-ci, on y va à pied. Tout à pied, tout à pied. À pied, à pied, à pied. Ah, 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 ah. On monte par là. Ah, là, 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 là. D'ouvrir des coffres. De piller des coffres. Piller des coffres. D'accord. On vient de faire le tour là. Qu'est-ce qui nous arrive? D'accord, bah c'est par là. La 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 la. D'accord. Par ici. Je suis à peu près sûr que nous n'avons pas raté Nantarion en montant. Donc. Ah ah, on va voir une chose. Champion, là, est-ce que ça va être pour bloquer? Est-ce qu'on peut bloquer? Récupération de santé. Réduit le coût du sprint pendant que vous êtes affecté par. 38. Ah ah ah. Alors. Ah, 8, c'est quoi ça? Me tromper. Débilitant, la 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 la, ça c'est charmant. Bouclier apaisant. Ah. Pendant que vous êtes en combat, augmente les dégâts que vous bloquez de 4% par palier, mais réduit votre vitesse de déplacement de 16. À tous les paliers. Ah bah non. À bloquer une attaque, vous avez 15% de chance de récupérer 150 santé par palier. Donc ça pourrait être intéressant. Lorsque vous bloquez, lorsque vous êtes sur l'effet d'un bouclier protecteur. Non, mais écoutez, lorsque vous réussissez à bloquer une attaque, 15% de chance de récupérer 150% de santé. Confirmé. Voilà, on est bon, on est bon, on est bon. Et là. Ensuite. Coffre. Je suis à peu près sûr que. D'accord. Par... Oh là, la chaise est froide. Ensuite. Oh bah écoutez, c'est normalement là.
Ah. D'accord. On voit que c'est en haut. Normalement, on peut rentrer. Là, on vient de rentrer ici. Non. Vide. Coffre. Oui, je sais, ça me gratte les oreilles. Ça me gratouille les oreilles. Ça me chatouille les oreilles. Alors. D'accord, bah il faut entrer par un. Bon, on va voir s'il y a un pont. Ouais, on va voir. Puisque là, hop, il n'y a plus d'entrée, plus de sortie. Plus rien du tout. On va faire tous les chemins. On va aller par la droite. Hop. Hop. Ah. D'accord. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Bon. Si nous ne pouvons pas aller par là-bas, on va aller par en haut. Par ici. Bon, on va voir. On a déjà regardé par là, mais il n'y avait rien. Par là, par là, par là, rien du tout. Pourquoi pas par là? On va essayer par là. Oh là là! Oh là là! L'entrée. D'accord. Est-ce qu'on peut passer par là? Par là, non. Ah, d'accord. D'accord. Cet endroit n'en finit plus de monter. Cet arbre est vraiment immense. Comme... Il ne s'agit pas seulement de reconquérir ce qui a été perdu. Il s'agit de notre habitat. Bientôt, Forest Pope se répandra et chassera ces sales coloviens. Allez, on commence. Vaincu 40 ennemis. Ok, c'est génial. Vaincu 40 ennemis. 40 outre. Pop 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 pop. Là. Et là on descend. Se trouvait sur la colline sous nos pieds. Les branches d'espéracine les ont hissées dans le ciel. Ce châle, il a quelque chose d'étrange.
Oui, je crois que l'on appelle ceci une taverne. Je vois que les mains sentiers convergent ici. Que venons-nous de voir ? Elle vient de boire de l'alcool, peut-être, une taverne ? Bah, pas boire du lait, non ? Cette pierre que vous portez a déclenché une vision. Comment avez-vous fait ? Qui était cette femme ? Itelia. Incroyable ! C'était un prince des draps ? Elle n'avait pas l'air si puissante, ni terrifiante. En fait, elle paraissait surtout désorientée. Alors pourquoi était-ce important ? Que concernait ce souvenir ? C'est un ou il ? Voilà, un... C'est un prince ou une princesse ? Un prince. Un prince des draps. Elle n'avait pas l'air si puissante. Traduit de l'anglais, d'accord. Non, l'anglais brut. Brut, brut, brut. Les mains sentiers ? Ça semble important, mais cela ne me dit rien. En revanche, il y a une taverne pas très loin. L'auberge du Paria. Vous devriez y aller quand nous en aurons fini. Continuons. Prévenez-moi si l'Éconir a d'autres choses à nous montrer. En arrière un petit peu, on ne trouve pas les portes, hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Donc il va falloir ressortir. Ressortir. Passer par là. D'accord. On dirait une autre graine de fulgurance sauvage. Mais c'est vous. Quelqu'un arrive. Tenez. La graine pour Stingrad est prête, mon roi. Apportez-la à ma salle du pôle. Vargas et moi mènerons le rituel final avant d'envoyer la graine à sa destination. Les enfants du fragment sont des alliés volages. Nous servons le même prince. Tant que je dirigerai la remémorance, les enfants du fragment nous aideront. Oui, mon roi. Je le savais. C'est Nantarion qui dirige la remémorance. Et le prince qu'il serve, ce doit être Itelia. J'ai tout entendu. Allez à la salle du trône. Je vais faire le tour pour les prendre à revers. La remémorance a un agent dans l'entourage du roi. C'est le moins qu'on puisse dire. Nantarion se moque de nous depuis le début. Allez, nous devons brûler cette graine et régler nos comptes avec ce Ragnar sournois. Ragnar, espèce de Ragnar. Je vais le traiter de Ragnar. Espèce de Ragnar, oui, Ragnar. Maintenant, nous savons pourquoi Nantarion avait besoin d'une forteresse vivante. Attends. Allons trouver sa salle du trône. Je veux quand même voir une chose. Sa salle du trône. Allez, on va remonter un petit peu. Hop, 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 hop. Zig, ziga. Zig, ziga.
Je vous confie le bâton, Mantarion. Faites-en bonne art de votre arbre à des parasites. Par le nature, Sorilène, occupez-vous de ces intrus. Ils ne doivent pas arrêter le rituel. L'ami de Verago, préparez la veille. Gare pour lui, je vous éliminerai rapidement. Allez, tu viens. C'est trop tôt. Les sauvages qui libéraient son énergie trop vite. Fuyez ! La graine de fulgurance sauvage, elle a libéré. Que des cris ! L'espérance est perdue. D'accord. C'est comme ça, les arbres vont s'abattre autour de nous. Et oui, il se passe quoi ? Bah, il n'y a rien de spécial. Allez hop, on y va. Yahoo! 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 C'est bien ça, j'aime bien. Ah, le verre! La fulgurance sauvage a détruit Espéracine. Espéracine? Quel joli nom pour un stylet secret. Et une tombe sinistre pour la parle nature, Sorilène. Mon ami, nous devrions parler. C'était juste. Mais au moins, nous avons détruit la graine et cette forteresse de la remémorance. Mais j'aimerais que les choses aient tourné différemment pour la parle nature, Sorilène. J'aimerais savoir ce qui a pu la pousser dans les bras de la remémorance et des fous qui la dirigent. Nous les retrouverons. Nous leur avons infligé une vraie défaite à Espéracine. Ils devront regrouper leurs forces ailleurs. Cela leur demandera du temps. La maréchale du fragment Vargas a appelé ce bâton le bâton des mains sentiers. Elle l'avait confié à Mantarion. Il semblait sur le point de l'utiliser pour mener le dernier rituel avec la graine de fulgurance sauvage. Oui. Bon, rentrons chez moi, mon ami. Montrez-moi cette carte. J'aimerais l'examiner. Et nous devrions consulter l'Eramil si elle est rentrée de sa mystérieuse expédition. Visiblement, les serviteurs d'Edric et Titelia aident la remémorance. Nous devons savoir pourquoi. Voici la carte. Je vous retrouverai chez vous, à Fingrad. Oh, hey, baby! Partez devant. Ce rapport que nous avons découvert, je veux m'assurer que le fort de Feldagar n'est pas menacé. Ah, oula! On n'est pas mal. Comment se prend dans le Kate? Ah! Mais si, Kate? Alors, hop! C'est hop! Ah oui, c'est hop, d'accord. C'est hop! Donc! Tu m'as dit que tu voulais un petit portail, toi, hein? Un petit TP? Allez, hop, Azandar! Allez, on fait un petit TP. Zou! Ou deux!
si on n'arrive pas directement là où on veut, en ville. Away, baby. Donc il en faut un ici. Ouais. Deux oratoires. Dans la même ville. Waouh. Non, ah bon, deux oratoires dans la même ville. Swish. Waouh, c'est super. Un oratoire ici, un oratoire à l'extérieur. Allez, hein. Cette nouvelle soirée m'inquiète. Rien de naturel n'a jamais été fait. Hop. D'accord. Hey, ho. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'Itélia et ses enfants du fragment cherchent à accomplir? Pourquoi aider la remémorance et leur permettre d'utiliser les graines de fulgurance sauvage pour transformer le Weald occidental? Qu'avons-nous raté, mon ami? C'est ma traque d'Itélia qui m'amène ici. La réponse est peut-être liée à elle. Mamma mia, let me go. Oh. D'accord. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'est... Il vaudrait sans doute mieux adresser cette question à l'Eramil. Mais cela semble probable. La remémorance et les enfants du fragment servent tous le prince des sentiers. Leurs objectifs doivent se compléter. Ce qui amène à une autre question. Où est Itélia? L'auberge du Paria? Je connais cet établissement. Nous avons non seulement empêché Nantarion d'envoyer une graine de la fulgurance sauvage à Skingrad, nous avons trouvé des ordres de la remémorance concernant le fort de Feldagar. Et nous savons qu'Itélia se dirige vers l'auberge du Paria. Et ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Nous avons démasqué Nantarion en tant que chef de la remémorance. Lorsque les habitants de Vashabar apprendront cela, ils lui arracheront sa couronne. Il pourra peut-être diriger la remémorance, mais il ne pourra plus se cacher. Et nous avons sauvé Skingrad d'une fulgurance sauvage. Acceptez ceci, mon ami. Vous l'avez mérité. La carte que nous avons trouvée à Esperacine contient un indice précieux. Je le sais. Laissez-moi un peu de temps pour déchiffrer ce code, et je comprendrai. Une chose est déjà claire. Le roi Nantarion et ses alliés n'en ont pas encore terminé avec le Weald occidental. Je n'aurai aucune certitude avant d'avoir déchiffré les notes de Nantarion. Mais Itélia nous échappe encore. Les incursions d'Edric ne cessent pas. Et les forces de la remémorance sont plus nombreuses que des vagues grisons sur des charognes autour des ruines Zéléides. Ils cherchent quelque chose. Oulala. Lorsque je pense aux Zéléides, je pense à la magie. Des pierres de Wenking, des portails, des reliques antiques. Des choses qui seraient dangereuses entre de mauvaises mains. Mais je ne sais pas en quoi cela fait avancer les plans de Nantarion. Vous pensez pouvoir m'aider à comprendre, mon ami? La tribune Alea et les Ramis ont besoin de votre aide. La tribune s'inquiète d'un assaut au fort de Feldagar. Et les Ramis pensent qu'il est important d'enquêter à l'auberge du Paria. Voyez ce que vous pouvez faire pour les aider. Puis, le fort de Feldagar est l'une des plus grandes forteresses des Hautes Terres Coloviennes. Il est tout à fait vital pour la défense du Weald occidental. La tribune Alea s'y est rendue après avoir trouvé ce rapport à Esperacine. Elle s'inquiète que la remémorance ne prépare une attaque. Une attaque de la remémorance contre la forteresse semble assez urgent. Mais si l'Eramil estime qu'on a besoin de vous ailleurs, ça doit être important aussi. Puisque vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps, ubiquité. Essayez pile ou face. Eh bien,
En plus du souvenir d'Itelia que vous avez vu se diriger vers l'auberge, l'Eramil affirme qu'il y a des fils du destin entremêlés à cet endroit. Quoi qu'il se passe sur place, vous devez aider l'Eramil à y voir clair. Itelia est la cause de tous ces événements. Nous devons comprendre ce qu'elle fait et pourquoi. Mais si nous perdons le fort de Feldagar sous les assauts de la remémorance, Skingrad pourrait basculer très vite. Les deux problèmes sont aussi urgents. Alors vous allez devoir choisir. D'accord. Alors, bah, c'est le journal qui va... Voilà, c'est le journal. On n'a rien d'autre. C'est le journal que tu choisis pour nous. La 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 la, la 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 la. Ok. Alors... on arrivait par là. Waouh! La porte qui s'ouvre et qui se ferme juste devant moi. Allez, puis, accomplissez deux quêtes. Ah ah! D'accord. Vous êtes au courant? Le roi de Vachamar. C'est le chapiard de mon monde. Et hop! Oh ouais, baby! Oh ouais, baby! Yeah! I like it! Oula! Endroit normalement? Non. Oh. Un des droits. Elle est sur notre prochaine quête. Et alors? Des sandales encore. Oh, oh, gros bâton. Comment ça se conduit ce machin? Eh, un cheval, comment on conduit un cheval? Waouh. Venez, agent. La situation est plus grave que je ne pensais. Ok. Je suis heureuse que vous soyez ici, agent. Les fils du destin s'entremêlent autour de l'auberge du Paria en un nœud croissant. Et ils éliment les liens de la cause et de l'effet à chaque tension. S'ils venaient à rompre, le résultat serait catastrophique. Je ne discerne pas leur origine. Hermaeus Mora m'a donné la capacité de percevoir les fils du destin. Cet entrelac sature douloureusement le don qu'il m'a fait lorsque j'approche de cette auberge. J'ai besoin qu'une personne dépourvue de cette vision me serve d'agent. Vous, bien sûr. Traversez cet entrelac et entrez dans l'auberge. Trouvez la source de cette perturbation. Arrêtez-la par tous les moyens. Je ne peux pas vous aider. Vous devrez affronter seul une force qui emmêle le destin et détruit la réalité. Réussissez et vous serez récompensé. Si nous laissons cet entrelac persister dans le destin, notre réalité locale pourrait s'effondrer. Nous cesserions tous d'exister. Entrez dans l'auberge pendant que j'étudierai ce phénomène. Et faites vite, agent. Même à distance, cette perturbation est très douloureuse pour mes sens.
J'ai senti une perturbation en menant mes propres recherches. Lorsque j'ai appris que vous aviez également vu un souvenir d'Itélia lié à cet endroit, j'ai su que nous devions en apprendre davantage. Malheureusement, ma capacité à sentir la perturbation me force aussi à rester à l'écart. D'après ce que j'ai compris, l'auberge du Paria était un établissement tout à fait ordinaire jusqu'à récemment. À Skingrad, j'ai appris qu'elle avait changé de propriétaire et que les nouveaux maîtres des lieux ont entrepris des réparations. C'est à peu près tout ce que je sais. Peut-être vous en dira-t-on davantage à l'intérieur ? La causalité sous-entend toute la réalité. Même la magie possède une source connue. Le Mundus existe en une série d'actions et de conséquences en cascade, même si l'une ou l'autre nous échappe parfois. L'événement dans ces entrelacs de destin découple ces deux facteurs. Découple ? Découple ou décuple ? Imaginez que votre épée refuse de fendre l'air lorsque vous frappez, ou qu'un gouar apparaisse soudain et tombe sur une personne, ou pire, qu'une ville prenne soudain feu sans la moindre étincelle. La vie deviendrait intenable. Allez où je ne peux me rendre, agent. Dénouez cet entrelac du destin. Oula. Petit minou, petit minou. Petit minioc. Entrez, que puis-je faire pour vous ? Oui, entrez, je vous en prie. Restez un moment. Ne faites pas attention aux fêlures dans le ciel dehors ou à ces ombres. Ignorez-les. Prenez un verre. Ouais, d'accord, moi non plus, j'arrive pas à les ignorer. Tout a commencé quand cette femme est arrivée. Celle à côté du feu, là. Elle s'appelle Itélia. On va voir. On va revoir. Homme ou femme ? C'est un prince. Je l'ai jamais vue avant qu'elle sorte du cul d'un Ragnar et je me fiche de son nom. Mais c'est elle qui cause tous mes problèmes. Juste après son arrivée, le ciel a changé et ses ombres ont commencé à se promener dans mon auberge. Puis elle s'est assise à côté de la cheminée, sans rien dire. Elle ne vous a rien demandé ? Non, rien du tout. Mais un bon aubergiste sait de quoi ses clients ont besoin, et elle a besoin d'un verre. Quelque chose pour la réveiller. Un lever de soleil de bord de ciel. Mais je peux pas laisser mes clients avec ces ombres. Vous pourriez aller me chercher de l'eau au puits ? Je vous offre un verre pour la peine. Le puits est derrière, dans la cour. Apportez-moi un seau d'eau et je préparerai un lever de soleil de bord de ciel. Ça devrait lui délier la langue. Puis je lui demanderai de repartir et d'emporter tous ces machins bizarres avec elle. Elle fait fuir mes clients. Tous les bons aubergistes savent quand il faut laisser un client tranquille et quand il faut aller lui parler. Sans les ombres qui se promènent un peu partout, je préfère la laisser tranquille au coin du feu. Et puis, il y a quelque chose qui me fait peur chez elle. Je ne vois pas de terme plus approprié. Ce ne sont pas des gens, juste des sortes de silhouettes dérangeantes. Je crois qu'elles veulent parler, mais elles ne font pas un bruit. Elles sont arrivées et le ciel s'est ouvert exactement au moment où la femme à côté du feu a franchi la porte. Au début, je n'ai pas vu la fêlure. La lumière a disparu derrière la fenêtre, ce qui était déjà bizarre. Lorsque j'ai sorti la tête pour regarder le ciel, elle était là. C'est peut-être mon imagination, mais chaque fois que je regarde, je vous jure que ces fêlures sont plus grandes.
Je l'ai achetée il y a presque un an. Elle est colovienne. Il paraît qu'elle date de la fin de la première ère. La vendeuse m'a dit que Raymond III avait dormi ici, mais je vois pas comment elle aurait pu le savoir. J'avais de grands projets pour cet endroit. Mais je sais pas ce que ça va donner. Je voulais transformer cet établissement en un lieu élégant, réputé pour ses boissons inhabituelles. Tout cela avec des prix abordables pour le voyageur moyen. Je concocte mes propres recettes originales, vous savez. Tout le monde mérite de savourer une boisson préparée avec adresse et attention. Presque tous les aubergistes à qui j'ai demandé de me former m'ont renvoyé. Ils disent que mes idées de boissons sont trop compliquées. Ça m'a fait de la peine à l'époque. Et quand j'ai eu les moyens de m'acheter mon propre établissement, je lui ai donné le nom qui me convenait le mieux. Pour leur montrer, quelque part. Toujours, préparer des boissons, c'est comme de l'alchimie. Et j'aime m'occuper des gens que je connais pas. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui me faisait confiance, Millie. C'est elle qui m'a suggéré d'acheter cet endroit et elle a financé une partie de l'achat. Je dois faire en sorte que ça marche, pour la remercier de sa confiance. Idélia est une femme. Oula. Des ombres. Ah. D'accord. Je sais. On ne va pas y aller tout de suite, on ira plus tard si on nous le demande. C'est vrai que ça fait peur. Hop, juste à côté. Ah, c'est pas top top. C'est pas tip top, ça ferait presque peur. Presque peur, oh oui. Par là. Enfin, elle parle. Je crois qu'elle veut vous demander quelque chose. Allez lui parler, et quand elle vous l'aura dit, vous pourrez lui demander de partir. Aucun. Non.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Mon esprit est une tempête d'images et de voix et de souvenirs. Je vois toute la réalité à la fois. Les mains sentiers. Mais mon emprise sur ce domaine menace de m'échapper. Mais vous, je constate que vous êtes réel. Oui, tout à fait. Alors vous savez que je m'appelle Itelia. Je suis ce que les mortels appellent un prince des draps. Ces échos, je les ai invoqués par accident. Je perds le contrôle. Cette auberge m'attirait, m'appelait. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Des possibilités, des probabilités, des endroits où le destin suit un cours différent. Certains mènent ici, d'autres ailleurs, et quelques-uns très loin d'ici. Mais cet endroit contient une chose dont j'ai besoin. Trois mots émergent de la tourmente. Rêve du sage. Oui, c'est cela. Une boisson, je crois, qui a le goût de la cohésion, de l'harmonie. L'aubergiste, demandez-lui de me préparer cette boisson, vite, avant que la tourmente ne m'emporte à nouveau. Je me souviens de si peu de choses à propos de moi-même. Pourquoi ? Est-ce que... Oui, Mora, c'est lui qui a fait ça. Mais le rêve du sage, je sais que cela peut m'aider, même si les détails s'estompent. Demandez à l'aubergiste. Je suis sûre qu'il sait quelque chose. Je suis Itelia, le prince des draps des sentiers, maîtresse de la route non suivie. Je suis... confuse. Parfois, un événement traverse mes souvenirs. Peur, colère et résignation jaillissent tout à la fois. Puis je perds prise, et j'oublie à nouveau. Le souvenir est une lutte. Je ne peux pas extraire les détails de ce chaos de réalité convergente. Il y a de l'obscurité, puis j'ai vu une lumière au loin. La lumière est devenue cette auberge. Elle m'a invoquée, mais la raison en demeurait trouble, jusqu'à ce que je me souvienne du rêve du sage. Des échos d'autres réalités. C'est mon pouvoir qui les a attirés ici, qui les a piégés entre ce sentier et le leur. Ils sont perdus. Ils souffrent. Tant que je n'aurai pas repris le contrôle, je ne pourrai pas les libérer. Je suis Itelia, le prince des draps des sentiers, maîtresse de la route non suivie. Je suis... Je sais. Confuse. Parfois, le souvenir est une lutte. Je ne peux pas extraire les détails. J'aimerais en savoir davantage, moi aussi. Mais une tempête gronde dans mon esprit. Le savoir des mains sentiers me vient par jaillissement, par intuition. Je vois des possibilités, des réalités proches ou distantes. Si je parviens à calmer mon esprit, je comprendrai peut-être. Je suis Itelia, le souvenir. J'aimerais en savoir davantage, moi aussi. Eh bien, au moins il parle. Je n'osais plus l'espérer. Vous lui avez dit fichez le camp, hein ? Dans mes derniers clients sont en train de dire qu'ils m'ont réglé leur ardoise et trouvé une taverne moins bizarre. Horizon Zero Dawn. Je savais qu'elle voulait un verre. Mais un rêve du sage, jamais entendu parler. Et j'ai mémorisé toutes les recettes de toutes les éditions du manuel de l'aubergiste. Attendez, ça me revient. Il nous reste peut-être une chance. Le dernier propriétaire a laissé ses affaires un peu partout dans la cour. J'ai fait le tri et j'ai remarqué un livre de recettes de boissons obscures et antiques. Le rêve du sage sera peut-être du lot. Oui. Allez chercher le livre. Le livre des liqueurs obscures et antiques de Gilredal, c'est son titre. Cherchez dans la cour derrière l'auberge. Et essayez l'indépendance tout au fond. Il y avait plein de bazar aussi. Rapportez-moi le livre et on verra de quels ingrédients j'ai besoin. Aucune idée. On nous demande souvent des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Mon boulot, c'est de pas poser de questions. On est là pour écouter et aider les clients à se détendre. À oublier leurs problèmes. Mais avec elle, c'est peut-être différent. Une boisson forte, ça embrume l'esprit, hein ? Ça émousse la douleur. Mais son esprit a déjà l'air bien embrumé.
C'est la tempête là-dessous. Je crois qu'elle veut un rêve qui l'aidera à y voir plus clair. D'accord. La 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 la. Ah, attendez, les zooms.
pareil, je vois les portes en transversal. Communisant de femme la série. Ouh. C'est une perte de temps. Je voulais voir. Tu l'as tué. C'est pas gentil. Du bois. Du bois, du bois, du bois. Qu'avant.
Elle n'a pas bougé un sourcil depuis votre départ. J'ai essayé de lui parler, mais elle a continué de marmonner dans sa barbe. J'aurais presque pitié d'elle si elle ne nuisait pas à mes affaires. Vous avez trouvé le livre de recettes ? Je ne sais pas d'où vient ce nom. Elle n'a pas bougé un sourcil depuis votre départ. Une boisson Eléide ? Bizarre. Cette auberge a été construite. Elle n'a pas bougé un sourcil depuis votre départ. J'ai essayé de lui parler, mais elle a continué de marmonner dans sa barbe. J'aurais presque pitié d'elle si elle ne nuisait pas à mes affaires. Vous avez trouvé le livre de recettes ? Une boisson Eléide ? Bizarre. Cette auberge a été construite sur une ruine Eléide. Ah, c'est une coïncidence. Alors, tyrum, fruit d'encrier, baie de lutte. Jamais entendu parler de ces machins. Bah, je peux m'approcher du goût, mais... Ben, si je trouve de quoi les remplacer. Je vais devoir réfléchir. De la myriade de givre. Ou du lotus, ça pourrait marcher. En attendant, je dois préparer du sirop. Allez à la cave et trouvez-moi du sucre. Je vais méditer là-dessus. Reproduire un rêve du sage, c'est un défi amusant. Ça me fera penser à autre chose qu'à ce qui se passe dans mon auberge. Vous trouverez l'escalier de la cave dans la pièce derrière vous. Elle donne sur de vieilles ruines. Mais faites pas attention. Jamais. J'ai appris les boissons locales de Tamriel et aucun de ces ingrédients ne dit quoi que ce soit. Mais ça m'arrêtera pas. On pourrait remettre cette boisson à la mode. Oh, bien sûr. On trouve de ces vieilles ruines un peu partout en Colovie. Le premier propriétaire avait construit son auberge par-dessus. La personne qui a creusé la cave a débouché dedans et n'a pas pris la peine de reboucher. Ça me sert de réserve. Hop. Alors on peut les traverser. Eh bien voilà. Nous allons y aller. Hop, hop, y'a rien. Ah si. Des caisses, une caisse de carottes. Qui est-ce dit carottes ? Auberge du Paria, cave. Un ancien propriétaire avait creusé la cave, je ne sais pas quand, pas quand, pas quand, pas quand, pas quand. Je ressens sa haine épaisse et aigre. Je peux peut-être l'attirer. Horrible relique est sortie du sol. Je dois vous parler. Lorsque vous êtes parti, j'ai ressenti le besoin de vous suivre. Je vous ai vu entrer dans cette chambre et j'ai su que je devais être là avec vous. Puis cette horrible lampe est apparue, grossièrement surgie de nulle part. Je la déteste de toute mon âme. La tempête dans mon esprit, vous vous souvenez? Je ne parviens pas à me concentrer au milieu de ces sentiers empilés. Je pense que cette maudite lampe a été utilisée contre moi, mais je ne comprends pas comment. Pourriez-vous la prendre? J'aimerais l'examiner, mais je ne supporterai pas de la toucher. Par ici, je sens un sentier qui désire que nous l'explorions. Éclairez-le, je vous prie. Je connais cet objet. Une porte des mains sentiers. Traversez-la, je vous suivrai. C'est pas mal. Mon pouvoir m'abandonne ici. Je vous suivrai si je peux.
L'ennemi approche. Ils viennent emprisonner mon prince. Non, Thorvessar. Ils sont... différents. Approchez, voyageurs du sentier. Parlez-moi. Je reconnais cet endroit. Les mortels me vénéraient ici. Ouais, mais faut que je te parle, mais j'aimerais bien regarder un petit peu. Oula. Ah, c'est pas mal ça. Une voyageuse des sentiers mortels? Vous êtes une créature bien rare. Et je vois qu'un de mes reflets vous accompagne. Une Itelia d'un autre sentier. Vous portez autre chose avec vous. Je ressens de la haine. Dites-moi, que faites-vous dans ma réalité? La lampe de clarté. Une relique créée pour nous traquer, mes invisibles et moi. Elle porte l'étincelle de sa créatrice, Azura. Cela lui donne une certaine conscience de son environnement. Elle doit savoir que votre Itelia représente une menace. Mais pourquoi vous menez à moi? Par Azura! Par Azura! Songe. Ah. Le rêve du sage est le nom que les mortels donnent au lien qui nous unit au main sentier. Elle se manifeste sous forme de boisson, mais on la prépare à partir d'ingrédients imprégnés de mon essence. En la buvant, mon reflet se connectera à nouveau au main sentier et stabilisera son pouvoir. Elles éclosent dans mon ombre, ou dans les ombres d'autres Itelia. L'ingrédient de chaque sentier est unique. Vous trouverez de la tyrome ici, mais le reste pousse dans d'autres réalités. Prenez ce dont vous avez besoin, voyageuse des sentiers. Puis partez avant l'arrivée des autres princes. Nous sommes à la fin, voyageuse des sentiers. Hermaeus Mora a déclaré que j'étais une menace pour la réalité et vient m'emprisonner. Je suis lasse de me battre. Cela se répète sur tous les sentiers que j'ai examinés. Si tel est mon destin, je l'accepte. Prenez ma tyrome et partez avec ma bénédiction. Comme c'est étrange, une mortelle qui arpente les mains sentiers sans les comprendre. Entre cela, la compagnie de mon reflet et votre lampe de clarté, vous m'intriguez. Très bien, posez vos questions. Pas d'une manière que votre esprit mortel pourrait comprendre. Je ne veux pas vous rendre folle. Peut-être avec une analogie. Imaginez un diamant qui se serait formé autour d'une toile d'araignée. Des lignes entrecroisées au sein d'une forme fixe plus vaste. Voilà les mains sentiers. Les possibilités rayonnent dans l'orbite, chacune définie par des choix distincts aux issues uniques qui mènent à de nouvelles réalités. Les mains sentiers sont la toile qui les relie. Certains peuvent traverser ces liens comme vous l'avez fait pour venir jusqu'ici. Les contrôler, non. Mais je les vois. Et je peux suivre leur fil, altérer leur destin. C'est l'une des choses qu'Hermaeus Mora respecte chez moi. Et la chose qu'il craint le plus. L'esprit mortel est limité, de manière intentionnelle. Si vous deviez comprendre les mains sentiers, votre esprit serait broyé et vous ne devriez pas être capable de les traverser. Moi-même, j'en suis à peine capable.
Vous êtes unique parmi votre espèce. D'où le titre que je vous confère, voyageuse des sentiers. Les mortels sont des serviteurs qui mènent différentes tâches pour protéger la réalité. Chaque champ labouré, chaque enfant né ou chaque guerre disputée stabilise l'orbis. Mais nous leur cachons cette information. L'esclave ne doit pas comprendre le plan du maître afin de ne jamais interférer. Chaque réalité liée par les mains sentiers contient une version d'une entité, mortelle ou d'Edric. Et toutes diffèrent d'une manière ou d'une autre, mais chacune a éclos de la même graine. Cela vaut aussi pour moi. Elle et moi sommes les mêmes, mais déformées, comme une image dans un miroir craquelé. La plupart des mortels tremblent de peur en ma présence ou me demandent d'intercéder. Mais vous, vous ne cherchez que la connaissance. Intéressant. Posez vos questions, voyageuse des sentiers. Sans doute. Si elle a perdu le contrôle de son pouvoir, elle a besoin que quelqu'un la stabilise. On dirait que c'est vous qu'elle a choisi pour cette tâche. Oui. Plus vous aurez de renseignements, mieux cela vaudra. Une fois qu'Hermaeus Mora a choisi mon destin, il a recruté d'autres princes des draps pour aider à me capturer. Azura a répondu en créant la lampe de clarté. Sa lumière expose ma position sur un sentier, ou, comme vous l'avez vu, révèle des portes vers les mains sentiers. Des téléporteurs! Je suis aussi curieuse que vous. Peut-être ne vous êtes-elle qu'en apparence. L'essence d'Azura pourrait avoir une volonté propre que vous l'aidez à accomplir. J'espère que vous trouverez votre réponse en poursuivant votre voyage. Ou des portails. Peut-être suite à une longue séparation des mains sentiers. Ou... Oui, je comprends. Votre Iteria a déjà subi le châtiment de Mora. Son pouvoir lui a été arraché lors de son incarcération. Nous imprègne une bête que provoque son pouvoir en lui revenant. Nous imprègne. Iteria a déjà subi le châtiment de Mora. Son pouvoir lui a été arraché lors de son incarcération. Elle doit calmer la tempête que provoque son pouvoir en lui revenant. La plupart des mortels tremblent de peur en ma présence ou me demandent d'intercéder. Mais vous, vous ne cherchez pas. Une autre Iteria. Si puissante, si fière. Prenez les ingrédients et repartons, mortels. Tenez, je vous offre un chemin pour rentrer chez vous. Suivez-le avec ma bénédiction. Attends, qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Des ailes ? Attends, elle est déjà partie ? Non, pas encore. Un nouveau sentier apparaît. Utilisez la lampe mortelle. Le sentier que nous venons de suivre m'était si familier. Le sanctuaire, mes descendants. Je m'en souviens. Lorsqu'Hermaeus Mora et les autres sont arrivés, lorsqu'ils ont pris mon pouvoir et m'ont enfermé, j'avais un plan, mais je ne me souviens pas de m'être rendu aussi simplement. J'ai envoyé Torvesar et les autres descendants au loin. Ils devaient rester cachés, libres d'agir le moment venu. Le reste est encore trouble. Nous avons beaucoup appris sur ce sentier au sujet de la lampe de clarté et du rêve du sage. Elle a été créée par le prince d'Edra Azura. Elle a créé cette relique pour me trouver. L'un de mes pouvoirs est de me soustraire au regard des autres princes, mais ils ont trouvé un moyen d'y remédier. La lampe contient une étincelle d'Azura qui nous révèle ses sentiers. J'ignore pourquoi.
Les ingrédients pour préparer cette boisson poussent dans l'ombre de toutes les Itelia. Cette boisson mélange notre essence et nos liens. Sur chaque sentier pousse un ingrédient différent. C'est sans doute pour cela que j'en ai envie. Je dois renouer mon lien avec les autres Itelia pour recouvrer mes pouvoirs. Elle a été créée par le prince d'Edra Azura. Elle a créé cette relique pour me trouver. L'un de mes pouvoirs est de me soustraire. Moi aussi. Espérons que nous en apprendrons davantage en avançant. Le dernier sentier était édifiant, mais je me sens encore dépassée. Je ne me contrôle pas plus qu'auparavant. Continuons. Voyons où ce sentier nous mènera. L'effroi sature ce sentier. Trouvez l'ingrédient, mais avec prudence. Nous ne sommes pas les bienvenus ici.
quelqu'un a fait du combat. Mort ou vivant, on ne sait pas. Les forces de Mora arrivent enfin. Alors c'en est fini de moi. J'arrive, j'arrive. L'Italia de cette réalité est incapable de se relever. Elle a l'air entièrement abattue, mais je ne vois aucune trace d'un ennemi. Elle pourra peut-être vous expliquer ce qui s'est passé. Et demandez-lui un ingrédient pour le rêve du sage. Sage ? Pas du songe. Non, vous n'avez rien à faire ici. Mais un reflet du prince des sentiers vous accompagne. Venez-vous savourer ma défaite. Regardez Hermaeus Mora m'emprisonner. Quelle honte d'attirer un public aussi railleur. Eh bien, je suis prête à subir vos railleries. Nous ne sommes pas ici pour narguer qui que ce soit. J'ai besoin d'un rêve du sage pour que l'Italia de ma réalité puisse contrôler son pouvoir. Bien sûr qu'elle a perdu le contrôle de ses pouvoirs. Toutes les Italias sont des créatures fragiles. Elles rompent sous la moindre pression, comme le verre. Comment avez-vous pu entrer ici si mon reflet ne contrôle plus son pouvoir? Comment pouvez-vous parcourir les mains sentiers? La lampe de clarté nous a ouvert le chemin. Elle nous mène jusqu'aux ingrédients du rêve du sage. Ouais, bon, là, je sais. Mes enfants du fragment devraient vous éventrer sur place. Que ce soit intentionnel ou non, ceci est d'autant plus humiliant. Un objet de mes ruines emporté par un reflet libre de ses faits et gestes. Si cela me permet de vous faire partir, j'ai du fruit d'encrier, l'un des ingrédients du rêve du sage. Prenez-le et partez. La lampe d'Azura n'est pas une amie d'Italia, voyageuse des sentiers. Toutes les reliques sont là pour nous dominer. Si elle vous aide à préparer un rêve du sage, ce n'est pas pour renforcer mon reflet. Non. Mon destin est scellé et plus rien n'a d'importance. Prenez votre fruit d'encrier et laissez-moi. Acceptez. Tout ce que je suis sera bientôt effacé de la réalité. Comment pourrais-je accepter cette annihilation? Non, je ne ressens que de l'effroi, de la colère. Et une honte sans borne pour ma faiblesse antérieure. Lorsqu'on m'a prévenu du plan que Mora nourrissait en ce qui me concernait, je me suis effondrée. Mes adeptes sont loyaux, mais ils ne pourraient pas résister à la force combinée des autres princes. Notre faible résistance fut rapidement écrasée. Encore une preuve de ma faiblesse. L'armée de Mora a encerclé le sanctuaire et s'y introduira bientôt. Je n'aurai pas le choix. Je me laisserai emprisonner. Mes adeptes aussi se feront peut-être incarcérer ou disperser dans tout Oblivion. Peu importe. Qu'ils viennent. Ce reflet semble résigné à son sort. Tout l'inverse des précédents. Prenons notre ingrédient et partons. J'ai vu comment ouvrir une porte. Rentrons à la cave de l'auberge. Avec chaque souvenir, la tempête se calme un peu plus et mon pouvoir me revient. Vous voyez comment j'ai ouvert un passage vers les mains sentiers. Je reprends un peu plus le contrôle à chaque instant. Il ne me manque que le rêve du sage pour y parvenir. Ah, pieds nus. Manger quelque chose. Mais non, pas besoin. J'ai rien à manger pour le moment. Qu'est-ce que c'est? Un vampire. Vampire!
Je sens qu'il s'agit du dernier sentier qui m'appelle. Utilisez la lampe ici, mortel. Comme auparavant, le sentier éveille des souvenirs. J'ai ressenti le même effroi qu'avant l'arrivée des forces d'Hermaeus Mora. Mais je ne me suis pas effondré comme une lâche. J'ai ordonné à mes enfants du fragment de résister, et ils l'ont fait. La lutte dont je me souviens fut épique. Je me souviens que les armées des autres princes ont enfoncé les portes de mon hôtel. Mes fidèles enfants du fragment préparaient leurs armes, les sons d'un combat frénétique. Je me souviens que les princes se sont tenus au-dessus de moi pour me juger, puis les ténèbres. Elle a raison. Je ne devrais pas me fier à la lampe d'Azura. Mais elle nous a menés à deux ingrédients nécessaires pour le rêve du sage. Et nous avons à présent la tyrome et le fruit d'encrier. Encore un, et nous pourrons préparer ma boisson. Alors je reprendrai le contrôle de mes pouvoirs. Entrez à nouveau dans les mains sentiers, mortels. Une colère sans limite sature ces lieux. Nous entrons dans une contrée en guerre. Trouvez le dernier ingrédient, mais soyez prudente. Les forces de Mora ont déjà pénétré dans le sanctuaire, dans cette réalité. Ces enfants du fragment défendent leur existence, et la colère de l'Italia de ces lieux sature l'air. Je ne risque rien, mais une mortelle comme vous pourrait mourir, même sur un sentier différent. Prenez garde. Coucou. La réalité est très fragile sur ce sentier. Elle pourrait se briser. Faites vite. Les forces de Mora ont déjà pénétré dans le sanctuaire, dans cette réalité. Ces enfants du fragment... Attention, mesdames et messieurs, il faut à manger. Bien que cet endroit était plein de lumière et de joie. Cet endroit est dur. C'est une résolution très gratifiante. Mora dévore cet hôtel. C'est sa riposte à la sauvagerie de la défense d'Italia. D'accord. Les forces de Mora ont déjà... Non, vous ne devez pas amener ce reflet plus près. Parlez-moi, et je vous expliquerai tout. Votre Italia ne le sent pas. L'Italia de ce sentier, mon prince, s'est égarée. Elle est devenue le monstre qu'Hermaeus Mora avait prédit. Si elle ne parvient pas à reprendre le contrôle, cette réalité sera condamnée. Pourquoi une mortelle accompagne-t-elle Italia? Alors j'espère que vous réussirez là où j'ai échoué. J'ai essayé de calmer mon prince,
mais elle a déchaîné sa fureur sur les forces de Mora. Plus elle se battait, plus elle se perdait. Vous avez peut-être encore une chance. En quoi puis-je vous aider? Pourquoi je... Oh, je comprends. La lampe d'Azura veut préserver votre réalité en aidant votre Itelia à reprendre le contrôle. Vous permettez qu'elle soit à nouveau emprisonnée. L'ingrédient dont vous avez besoin est proche. Des baies de lutte. Prenez-les vite, avant qu'il ne soit trop tard. Fuyez, tant que vous le pouvez, mortel. Sauvez votre existence. Mais ayez une pensée pour ce sentier condamné que vous suivez. J'imagine que nous ne tiendrons plus très longtemps. Je vous suggère de prendre les baies de lutte et de vous enfuir. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Itelia est la change-destin, la détisseuse. Elle possède un pouvoir sans égal chez les autres princes des draps. Le pouvoir de changer l'existence elle-même. Mora se doutait depuis longtemps qu'Itelia était dangereuse. Mais pleine de rage, incontrôlable, la réalité elle-même se désagrège autour d'elle. L'inimaginable. Pouvez-vous visualiser ce qui se passerait si la réalité se déchirait comme un parchemin sous les griffes d'un chat des sables? Il ne reste rien lorsque l'existence cesse. Wow! Mora ose! Maudit soit ses yeux jusqu'au dernier! Il voulait un monstre! Voici le dernier lendemain! Voici la destructrice de la réalité! Nous devons quitter ce centre. Cette idée a choisi de nous avons l'ingrédient que nous cherchions. Nous devons partir. Allez! Vous voilà. Venez, j'ai une idée à propos du rêve du sage. Vous êtes perdu ou quoi? Ah, ça m'arrive aussi. Cette femme est revenue, toujours assise à côté du feu, alors je suis venu vous chercher. Je crois que j'ai trouvé comment préparer un rêve du sage. Même sans les ingrédients. Quoi? Vraiment? Eh ben, ça va faciliter les choses. Je sais pas où vous avez trouvé des ingrédients qui n'existent plus, mais un bon aubergiste sait quand il ne faut pas poser de questions. C'est bien. Vous pouvez m'aider à préparer cette boisson? Je vais lire la recette pendant que vos frères restent. Hey! J'ai transformé mon réchaud d'alchimie en station de préparation de boissons de pointe. La meilleure de Tamriel. Vous pouvez être la première personne à l'essayer. Merci. Pour chaque ingrédient, il faudra trouver exactement la bonne température. Je vous dirai de chauffer plus ou moins et vous tournerez la valve adaptée. D'abord, placez la tyrum dans l'appareil. Appliquez lentement de la chaleur pour faire infuser la tyrum. De chaleur.
Trop chaud. Réduisez la chaleur. Vous l'avez brûlé. Il faut recommencer. Ah, d'accord. Augmenter la chaleur, baisser la chaleur. D'accord. Appliquez lentement de la chaleur pour faire infuser la tirome. Il faut plus de chaleur. Trop chaud, réduisez la chaleur. Tout ça me semble bien infusé. Ensuite, placez le fruit d'encrier dans l'appareil. Dans l'appareil, hop. Appliquez de la chaleur pour liquéfier le fruit de l'encrier. Pas trop chaud, hein. Me semble réduit comme il faut. Bon, ajoutez les baies de lutte à l'appareil. Vous devriez refroidir les baies de lutte sans les congeler. Et sans les congeler. D'un côté, ça, ça devrait. Oh là là, encore trois. D'accord. Thank you.
parfaitement glacée. Et maintenant, préparons la boisson. 2 parts de tirum infusé et 2 jus de fruits d'encrier pour 1 part de baie de luth glacée. Exactement la quantité de baies de luth nécessaire. Vous avez mis trop de baies de luth. Recommençons. Ouais, je sais, j'ai pas rien regardé. C'est exactement la quantité de baies de luth nécessaire. D'accord, non mais attendez, mec. Non, c'est la bonne dose de jus de fruits d'encrier. Pas la peine d'en rajouter. On dirait un rêve du sage parfaitement préparé. Versez-le dans cette carafe. Il y a déjà quelque chose dedans. Maintenant, prenez la boisson et apportez-la à cette femme. Je vous retrouverai à l'étage. Que va-t-il se passer? La tempête se dissipe et je vois clairement les mains sentier. Je peux discerner les réalités et mon esprit s'éclaircit. Je suis à nouveau moi-même. Itelia, prince des sentiers, maîtresse de la route non suivie. Je vais tout arranger. Les échos que j'ai attirés depuis les différents sentiers sont libres de rentrer dans leur réalité propre. Et permettez que je dénoue les fils du destin pour ramener l'équilibre dans ce domaine. Je vous remercie, voyageuse des sentiers, et je vous jalouse. Nous avons appris que toutes les Itelia sont dangereuses. Une créature brisée qui finit traquée, nous ne pouvons pas changer qui nous sommes. Mais les mortels choisissent. Vous n'avez pas besoin des pouvoirs d'un prince des draps pour altérer votre destin. Je vous envie cela. Adieu, voyageuse des sentiers. Itelia, attendez. Boum ! Ça y est, elle est partie.
bouteille d'alchimie. Prendre. Oh, Je peux. Ah bah voilà, elle est partie. Vous avez réussi. Cette drôle de femme est partie et elle a emporté les ombres. Allez, je vais pouvoir tenir une auberge normale maintenant. Je vais peut-être ajouter le rêve du sage au menu. Si j'arrive à mettre la main sur ces ingrédients. Non. Pas possible. Autre réalité. La douleur a disparu. Les fils du destin sont démêlés. Que s'est-il passé à l'intérieur? Je sens que le nœud des fils du destin s'est démêlé. Cette menace contre notre réalité est levée. J'imagine que c'est grâce à vous. Racontez-moi ce qui s'est passé dans l'auberge du Paria. Si vous avez sauvé la réalité en aidant Itelia, vous avez pris la bonne décision. Mais la lampe de clarté est une relique puissante. Je suis heureuse que vous l'ayez trouvée. J'aimerais l'emporter chez Béragon pour l'étudier. Pouvez-vous me la confier? J'avais prévu que les fils entremêlés du destin seraient liés à la libération d'Itelia. Mais comment aurais-je pu imaginer qu'elle en était directement la cause? Vous avez très bien servi celui qui sait dans cette tâche. Voici la récompense promise. Je dois contacter Hermaeus Mora et le prévenir qu'Itelia a recouvré au moins une partie de son pouvoir. Ne prenez pas cela comme une critique. Votre aide aura sauvé bien des vies. C'était la bonne chose à faire. Oui, t'inquiète. L'emmener à Skingrad pour l'étudier. La lampe d'Azura servait à traquer Itelia et ses serviteurs. La priorité est maintenant de savoir comment l'utiliser. Venez me voir lorsque vous en aurez le temps. L'élu du destin a encore beaucoup de travail. Fabriquer 4 objets. Ah, d'accord. Vardenfell. Allez hop. Go to Vardenfell. On va faire quelques quêtes. Quête de travail. Vardenfeld. C'était épais, et puis bon, bien, j'ai pris le chemin qui était le plus proche. Donc,
plus rapide. Eh bien, maintenant, on va aller là-bas. Ah, attendez. Je vous en prie, aidez-nous. Se rendre à la maison. Alors, avec le dernier add-on que l'on a pris, va-t-on pouvoir faire automatiquement toutes les quêtes ? Aucune idée. Hein. La. Livre. Ah, ok, d'accord.
Non, c'est pas ça. Notification inventaire, compétence, journal, quête. Deux petites secondes. Ah non, d'accord. Ça a été très très rapide. Ça a été très très rapide. Ouais. On va voir si on peut terminer ça ici. Ça a pris 2 secondes et puis c'est parti. C'est génial. À Vardenfell. Coucou. Il y a plus de Vardenfell. Il y a du verre d'intérêt. Minuit 33. Ça en fait du temps. Ok. Attends, j'ai plus ce que tu m'as vu. Je n'ai pas lu ce que tu... ce que tu m'as écrit. Ce que le nom de Dibetfir ait plus de poids auprès de ses prêtres. Oups! Ah, aucun parchemin n'est actif. On a oublié d'aller faire la cuisine. Mince. Bah zut alors.
Il y aurait marchandises et le marchand. Attendez. Kakaka. Oh, Katan. Et là, on a le journal. Quête. Eh ben écoutez, je pense que là, normalement, commande. Livrer les marchandises. Donc ça veut dire que normalement. Normalement, on a eu deux choses. Wardenfeld. Ah bah tiens, Wardenfeld. Il n'y a plus de Wardenfeld. Ouh, hop. Bam. Normalement, là, on doit passer vers Wardenfeld. Wardenfeld. C'est bon. Ok, alors on va voir. Oui, apparemment. Apparemment, oui. Voilà. Oh non non. Voilà. Prince, son sky, le trésor. D'accord, ok. Compétence couturier. Quelques-uns. On a fait juste ce qu'il fallait. Allez, on revoit. Pom. 4. 1 en couturier. Hop. Allez, couturier, non, création 1, création. On va faire quantité 1, voilà. Fabriquer. Et normalement, hop. Voilà, P1, superbe. Ensuite. Puis-je me rendre utile ? Oui, bien sûr ! Alors, hop. Voilà, ça c'est pour les quêtes. C'est sûr et certain. Zou. Journal, quête. Hop.
clés, juste là-bas. Ah mince. Non, retourne là. Wardenfeld. Non, le Ward. Le Ward occidental, là. Ford Federal Guard. Ok. Wow. Si vous avez une arme, j'ai besoin de bras. Ouais, ben on va aller là. Comme c'est agréable. Je vous suis court. Ah oui, je sais. Enquêter au fort de... Attends. D'accord. Alors, je crois que en monde... Magie des armes, L4. Magique. D'accord. Faut qu'un flingueur remplit une pierre d'armes si un ennemi meurt. Et là, c'est quoi? On a mis ça. Seigneur des tombes. Tyrandos. Artisanat, alchimie. Observation, réactif. De recherche en même temps avec des tanins. Point de compétence, cuisine, là on a tout fait. Enchantement, forge, on a tout au max, joaillerie, on a tout au max. Bon, voilà, on a normalement tout. Garde alliance, assaut. Ah, tu vois, ils vont donc faire quelque chose. Oui, ben ça y est, j'ai plus rien à prendre. Ok.
Tranquille, indomptable. Elle a rien du tout. Comme depuis la constellation. Et là, il y a quoi? Ah, d'accord. Mais on va pas prendre. Est-ce qu'ils m'ont plu? Cinq pièces. Protection limitée à 50% de votre santé maximale. Bâton de rétablissement. On n'a rien. Bâton de destruction. Ah, d'accord. Ouais. Vulnérabilité. Ah oui, c'est fermé. Deux armes. Fermé. Une main et un bouclier. Fermé. Arme à deux mains, ok, classe. Tout est ouvert, sauf l'île. Quatre, et là on a en monde. Mage des armes à magique. On a ça. Attendez, ah, ça c'est le truc ça. 7650 10 secondes. D'accord. Hop. D'accord, ça aussi. La. On est bon. Plein de compétences que je ne prends pas. Bon, bah écoutez. Et toi mon garçon. Oui, certainement. Optimisme attentiste. Je pense que nous accomplirons beaucoup de choses ensemble, vous et moi. Parlez, je vous écoute. Augmente les soins de 1,7. Réduit le temps de rechargement des compétences, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, c'est pas parfait, mais c'est très bon. Pom-pom-pom, 800. Dirait des buffs et des debuffs. On n'est pas sûr des buffs et des debuffs. Soin prodigué en 7. 4. Là, on a quoi? Hache de bataille. Compétence. Et là, génération ultime. Là, on n'en a pas besoin. D'accord. Bon.
Et ici, on n'a rien de spécial. Arme. Guild. Hop. Culturel, on a tout. Ah, mais attends, indomptable. Débloquer cette ligne de compétences. Guide des mages. Portez au moins 5 pièces d'armure légère. Hop, disparaît dans un nuage de fumée qui lui rend tout ça. Débloqué au niveau 20, on est au niveau 11, on est au niveau 1. Le niveau 10, 9. Alors, on part. Aïe. Au niveau des armes, on est bon. Provocation, compression s'active. Provocation, deux armes, non. Arc, non. Bah, bâton de rétablissement, voilà. Et là, on a tout. On a tout, sauf ça. Exemple, crée un portail vers Apocrypha sous les pieds d'un ennemi. Ça, c'est du DPS. D'accord. Mais écoutez, on va laisser ça pour le moment. Oui, on n'a plus de parchemin pour ça. Voilà, il se passe quoi? Donc. Ok. YouTubeuse, Twitcher, Twitcheuse. Mais petit loup. À très bientôt sur Tezo ou un autre jeu vidéo. Ok, d'accord. Non mais ça c'est bon. Parce que je vois pas le. Hop. Voilà. Oui.